Tandis que le prince arrive vers de nouveaux horizons, le prince William réfléchit. Et le Mégory aurait donné du fil à retordre au duc de Cambridge. En effet, selon les informations de Paris Match, qui a interrogé un expert de la famille royale britannique, le fils aîné du prince Charles, deuxième dans l'ordre de succession au trône, serait envieux de son petit frère. Il doit se sentir abandonné et un peu envieux, coincé qu'il est par ce futur si écrasant, qu'il assume sans enthousiasme, confie la source à l'hebdomadaire. Si le prince Charles ne prend pas la succession de sa mère, si est-il le prince William qui devrait devenir roi d'Angleterre? Le papa de George, Charlotte et Louis est-il prêt à monter sur le trône? S'il se plie au protocole et accepte une vie royale, ce n'est-ce pas le cas de son frère le prince Harry? Et Harry et Meghan ont déjà pris leur disposition pour vivre une vie plus paisible, selon un journaliste du Harper's Bazaar aux États-Unis sur Twitter, les Sussex ont demandé à des avocats basés au Royaume-Uni d'émettre un avertissement juridique après la publication des photos prises par des paparazzi de Meghan au Canada hier. Pour rappel, des photos de Meghan et Harry sont parues dans les pages du Sun et du Daily Mail, notamment. Une vie indépendante pour rappel, le couple princier renonce à utiliser ses titres royaux et sera indépendant financièrement de la famille royale, a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. Le prince Harry et Meghan Markle se sont engagés à rembourser les dépenses publiques engagées pour des rénovations dans leur manoir du Frogmore House, leur résidence principale. Ils paieront d'ailleurs désormais un loyer et ne recevront plus d'argent public même s'ils continueront à toucher de l'argent privé de la part du prince Charles.